Alors, Romain Nadal, je suis le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Le premier conseil que je donnerais pour devenir diplomate ou pour être diplomate, c'est d'être ouvert sur le monde, sur les autres cultures, les autres civilisations. On ne peut pas être un diplomate accompli sans connaître les autres nations, leur culture, leur civilisation, leur façon d'être, leur langue étrangère. Parler une langue étrangère, en général, il vaut mieux en parler deux, en plus du français. Cela permet d'échanger, de communiquer, de lire, d'écrire, de s'exprimer, d'être compris et de comprendre ces autres cultures et ces autres civilisations. Le deuxième conseil que je donnerai, c'est le travail en équipe. À l'étranger, la France travaille avec les autres administrations au sein d'une ambassade pour promouvoir nos intérêts, nos valeurs, nos principes. Et ce travail en équipe, il est indispensable à l'efficacité de l'action extérieure de la France. Donc en plus d'être ouvert sur le monde, il faut être capable de travailler en équipe, de s'entendre avec les femmes et les hommes qui servent la France dans le monde. Le troisième conseil, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise du stress. Pour travailler dans une autre nation, dans un autre pays, pour défendre les intérêts de la France, il faut en toutes circonstances être maître de sa personnalité, de ses émotions, de son stress, ne pas le diffuser aux autres en situation de crise, en situation de conflit, de violence. Et c'est souvent ce que vivent les diplomates français dans un certain nombre de pays, face à la détresse aussi de nos concitoyens, dont nous sommes là pour les protéger, qui peuvent être victimes de violences, qui peuvent être prises dans une catastrophe naturelle. Il faut maîtriser ses émotions, maîtriser son caractère, être maître de ses émotions. Le quatrième conseil que je donnerais, c'est d'être un bon négociateur. La France défend des intérêts, elle promeut des valeurs, mais pour faire avancer ses intérêts, faire avancer ses valeurs, il faut être un bon négociateur, connaître l'autre avec qui on va négocier et passer du temps pour promouvoir ses intérêts, promouvoir ses valeurs, être capable au bon moment de l'emporter dans une négociation ou de faire prévaloir ses intérêts et ses valeurs. La négociation, c'est tout un art difficile qui implique la connaissance de l'autre et qui implique aussi la gestion du temps. La négociation, c'est la gestion du calendrier, la gestion du temps, la gestion de la négociation. Une négociation comme le nucléaire iranien, par exemple, ou la négociation d'un accord de paix, ça nécessite un effort de maîtrise du temps, de réflexion, de stratégie. Et la négociation, elle est au cœur du métier diplomatique. Le cinquième et dernier conseil que je donnerai, c'est l'amour des valeurs de la France, de ses principes, de notre République. Nous défendons une certaine conception des relations internationales fondée sur le multilatéralisme, l'attachement aux Nations Unies, l'attachement à la construction européenne, la volonté en toutes circonstances de faire prévaloir le maintien de la paix et de la sécurité, la protection de la planète, sa gouvernance, la défense de l'économie, la promotion de la création d'emplois, du commerce extérieur, l'Union européenne, la construction européenne. La France en est un pays membre fondateur et sur la scène internationale, nous défendons cette construction originale à 28 qui promeut à la fois des valeurs et des intérêts. Dernier conseil que je formulerai pour ceux qui ont envie de devenir diplomate, la mobilité géographique et la mobilité professionnelle. Tout au long d'un parcours, vous serez amené à changer de pays tous les 3-4 ans, sur tous les continents. Ça implique non seulement la connaissance de culture, de civilisation, mais une grande adaptation à des contextes géographiques très différents, de l'Afrique à l'Asie, à l'Amérique. Donc mobilité géographique, mais aussi mobilité professionnelle. Dans une même vie professionnelle, le diplomate sera amené à faire du dialogue politique, de l'action culturelle, de l'action économique, de l'action de crise, de l'aide publique au développement. Tous ces métiers sont différents, impliquent une souplesse professionnelle, une adaptabilité dans les missions, dans la connaissance de différents types d'actions extérieures. Mobilité géographique et mobilité professionnelle, c'est indispensable lorsque l'on veut devenir un bon diplomate, lorsque l'on veut être un bon diplomate. Alors, pour rejoindre le ministère des Affaires étrangères, il n'y a pas un parcours type. Il y a les concours.
concours du cadre général, du cadre d'Orient, la voie de l'École nationale d'administration, mais il y a aussi la voie contractuelle, puisque nous recrutons chaque année des contractuels pour agir dans le cadre de l'action culturelle extérieure, de l'action économique, de l'action politique et diplomatique, de l'action de crise, la gestion des crises internationales. Dans tous ces domaines, nous recrutons des contractuels, mais aussi des titulaires par voie de concours. Donc il n'y a pas un parcours type, mais par contre, il y a un profil type, celui de l'ouverture sur le monde, de la maîtrise des langues étrangères, de la maîtrise de soi, de la connaissance, de la négociation, toute une série de caractéristiques, de personnalités qui font que l'on pourra être demain un bon diplomate. Mais il n'y a pas un seul parcours, il y a des parcours, des trajectoires. Le ministère est ouvert à toute la société française.